Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci à pile parce qu'on est avec nous sur télévision nationale d'Haïti dans le sang. Nous sommes contents de rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Là, on apprend très certainement regarder la réalité politique pays avec Yomom dans la cellule communication Premier ministre Jean-Henri Séa, Dodley Aurelius, qui très certainement pourra regarder avec nous. Eh bien, et réalité sociale là, politique là, mais surtout regard gouvernement et ensemble de dispositions qu'il prend pour permettre de gagner des réponses appropriées qui peuvent ça qui pourra l'aider, bien entendu, eh bien, et les populations ralent souffre, ça qui pourra l'aider, situation retourner à la normale. Dodley Aurelius, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour, je salue Serginho, je salue toute équipe qui accompagne nous pour rendre l'émission ça possible. Et tous les téléspectateurs, internautes qui ont suivi l'émission ça, j'en dis là, nous là pour que nous fassions le point sur ça qui mérite faire le point. Et ouais, dans qui mesure nous sommes capables d'assurer la population sous disposition qui apprend pour que nous connaissons aller mieux. Jean-Premier ministre l'a toujours dit, et établi un climat d'apaisement pour permettre que l'investissement se fait et pour permettre que le pays en libre en rail développement définitivement. C'est une communication ça, et c'est au niveau de la primature, mais c'est dans le cabinet Premier ministre. Au niveau du cabinet du Premier ministre, vous connaissez gagné une équipe de communication et qui a travaillé dans la primature bien avant que Maître Jean-Henri Séa descende dans la primature. Là. Maintenant, Maître Jean-Henri Séa a une équipe qui était en train ensemble avec lui au niveau de la communication. Moi-même, moi, j'ai rejoint l'équipe là depuis octobre dernier et nous avons travaillé ensemble avec l'équipe communication qui était déjà en dans primature pour que une seule équipe fait travail là et travaille pour informer les populations sur ce qu'elle fait et pour permettre les gagner confiance les gens que nous sommes dit là. Alors là, puisque les primature, c'est une communication, on va créer une bonne cacophonie. Non, pas du tout. C'est ça fait nous une seule équipe. Et équipe communication qui était avec Maître Jean-Henri Séa depuis sous campagne électorale, que nous rejoignons à partir du mois d'octobre passé. Il travaille ensemble avec l'équipe communication qui était déjà dans la primature, qui a mené la communication primature, puisque nous connaissons la primature, nous avons une équipe, une cellule de communication qui a travaillé là-dedans. Donc nous faisons partie de une seule et même équipe qui est soudée autour de un chef qui est le Premier ministre Jean-Henri Séa. Comment la primature aboutit? Bon, nous portons bien, et ça a pris deux mois, à peine deux mois, depuis Maître Jean-Henri Séa installé dans la primature. Et ça pour régler yo et rencontrer tout acteur possible pour que les réponses me soient données appropriées, l'hypothèse avec tout problème qui vient. Ça veut dire que la travail en toute sérénité, je dis. Hein? En toute sérénité, décidément. Et pas oublier que c'est le gouvernement. Si. Il y a un bagage pour que nous toujours on aime. Mais Jean-Henri Séa, son monde qui était dans la politique depuis longtemps. Et savoir travailler en toute sérénité, c'est culture parler. Donc, mettez tout le monde ensemble pour faire mayonnaise la prend, c'est habitude. Li. Et c'est justement habitude ça qui a continué au sein de, au niveau de la primature. Mettez tout le monde ensemble, c'est peut-être un travail très difficile, surtout dans la mesure du possible. Avec une société qui est très polarisée. Dans la mesure. Sa stratégie à un niveau gouvernement pour que vous faites tout le monde d'accord. Stratégie, c'est dialogue. C'est dialogue qui a continué. Et ça qui arrive que tout le monde n'a pas besoin d'aller. Et ou toujours même bagaille aux mêmes gens. Ça arrivait que vous voulez aller au Cap, vous voulez aller au Cap. Mais nous, chaque nous avons une route, nous voulons prendre. Mais l'objectif là, c'est ni moi-même, ni vous-même aller au Cap. Eh bien, c'est ça, nous croyons. L'objectif là, c'est que Haïti prend rail développement. C'est l'objectif premier. Tout le monde t'a supposé, tout acteur, nous présumé, t'a supposé gagner. Ça arrivait que j'en voulais, route moi, je voulais prendre, c'est pas aller qu'on voulait prendre. Mais nous pas entendu, nous. Sous en fait, que. C'est ça bien pour payer que nous voulons. Et c'est dans le niveau ça que le dialogue allait continuer avec quel que soit acteur, quel que soit côté où se trouver, pour permettre que l'apaisement l'établi et investissement fait et développement vienne à vous. Maintenant, il veut faire dialogue là, il faut que toute partie soit d'accord. D'ailleurs, j'ai dit là, tango a deux boules danser. Maintenant, est-ce que là, en face, vraiment, une certaine volonté, effectivement, pour répondre à ce que ça nous sollicite, dialogue, ça quoi parler vous dire, et de nous. Nous souhaitons, nous espérons et nous croyons que si intérêt Haïti, c'est lui-même qui est numéro un, qui est priorité, dialogue là qu'a fait. Et pour répéter, une parole, le Premier ministre a dit, ça va gagner deux semaines. Il a continué à dialoguer, même avec monde qui va d'accord. Donc, dialogue là encore possible. Et c'est ça qui fait, quel que soit côté mon en trouver, il y a une façon pour nous parler. Nous, c'est haïtien. Nous parlons créole et nous sommes capables de comprendre l'autre. Ça arrive, j'aime ce jour-là.
que nous pas ouais bagaille aux mêmes gens en termes de route pour nous prendre pour que nous résoudions problème. Mais si nous d'accord nous tous que problème non, sont question chômage, sont question instabilité, sont question insécurité, sont question la vie chère. Mais si nous tous nous d'accord problème non c'est ça lié, faut que nous d'accord pour nous résoudre. Et nous pas qu'à résoudre pour compte moi. Premier ministre pas capable de faire pour compte lui. Président pays Jovenel Moïse pas capable de faire pour compte lui. Donc c'est à nous tous qui pour mettre ensemble pour que nous arrivions vers la solution que nous souhaitons, vers Haïti que nous souhaitons. Et c'est ça qu'on a fait. Et j'aime dire tout à l'heure, le Premier ministre a inscrit dans la dynamique, dialogue continue, continuer de dialoguer. Quel que soit le problème qui est posé, n'a pas analysé, n'a pas dialogué. N'a pas pris des décisions, n'a pas dialogué. Ça va le faire déjà 2 mois. Oui, ça fait 2 mois. C'est une fois, ça arrivait que le Premier ministre Montel n'a pas mis trop de temps de grâce, il y a une crise pour gérer. Pendant 2 mois, ça a de manière concrète, qui ça effectivement arrive à faire pour que nous montrer. Nous voyons un signal que nous avons envie de dialoguer. Nous voyons un signal que nous avons envie de faire tout le monde entrer dans ce cas avec nous pour arriver dans Haïti que nous souhaitons. Ok. Et pour moi, pour la question, ça m'a fait mon petit génie, tout petit, de rentrer Premier ministre Jean Rissien en primature. De remplacer M. Dr. Jacques Guy Lafontaine. Donc, on est après 6, 7, 8 et juillet, yo, t'apprends et remettre démission. Et après que le Premier ministre Lafontaine remette démission, tu as gagné un dialogue que le président Jovenel Moïse a entamé avec tout acteur et dans la vie sociale. Dialogue, ça t'a pas mené sous 4 noms. Parmi 4 noms, c'était le Premier ministre Jean-Henri Séan qui était désigné comme monde qui parle mener bas gouvernement. Eh bien, nous connaissons que nous, entrer dans la primature, dans une situation, dans un contexte, c'était particulièrement difficile. Tu as une insécurité dans l'entrée sud capitale. Là, nous songeons. Il y a une déclaration de l'ancien Premier ministre Jacques Guy Lafontaine qui était fait en pile et l'a coulé. Nous songeons et tout ça qui était gagné dans le pays. Hein. Donc, nous entrons dans un contexte qui était difficile. Mais pendant ça, c'est ça qui fait. Gagner un groupe de jeunes, des pétro-challengers, qui te réclament, qui te guérent des réclamations que yo dit clairement qu'ils allaient. Mais dès que le Premier ministre a monté, il dit les mêmes tout. Les nappements des côtés l'argent, pétro-caribé a passé, les mêmes tout l'été dehors. L'été, quand on a demandé côté l'argent, ça a passé. Et puis, ce que l'on a dans aujourd'hui, faut que lui, j'ai une question pour lui. Il va lui poser une question, il faut que lui j'ai une réponse. Eh bien, il y a un premier bagage qui fait pour me répondre à la question directement, c'est que vous rencontrez, le Premier ministre, vous rencontrez tout acteur de CSPJ, vous rencontrez le Cour des comptes. Par exemple, avec le CSPJ, nous songeons récemment, ils ont renforcé la sécurité du juge d'instruction qui a travaillé sur le dossier. Nous rencontrons le chef gouvernement, le Premier ministre Jean Rissien avec CSPJ, il dit ça nous voulait. Dis-moi ça nous voulait pour que nous-mêmes nous fassions travail. Non. Si le dossier a lié en pile, un seul juge d'instruction qui travaille sur lui, si nous voulons qu'il y ait une batterie de juges qui travaillent sur lui, nous avons fait. Lui dit qu'il n'y a pas gagné rien que vous demandez en termes de moyens et qui est disponible pour travailler à la fête. Pour travailler à la fête. Effectivement, le travail du juge d'instruction a continué. Il y a un compte qui fait avec notre acteur. En parlant, nous avons dit Cour des comptes. Pour bailler les moyens nécessaires. Il y a 2 rencontres qui font déjà que la presse est au courant avec la Cour supérieure des comptes. Qui lui-même tout a un volet dans la question que lui a géré. Mais tout ça, c'est pour permettre que nous réponse institutionnelle qui baille avec une question que un pile monde pose et que nous certains, que nous d'accord. Qui méritait une réponse. Et c'est à ça notre travail. Mais pendant qu'on parle de dialogue, ça, de question pétro-caribéa, il y a un monde qui croit tout. Est-ce que le gouvernement n'a pas influencé ça pour la sortie en termes de rapport, en termes de documents, pour permettre que le pays a connu effectivement côté comme pétro-caribéa? Vous pensez, excusez-moi, par déformation professeur, je dis vous pensez, c'est comme si je voulais poser une question, je ne vais pas poser une question, je connais mal à ça. Tu poses, on va tout répondre. Oui, on va tout répondre. Mais ça me dit. Vous pensez que entre le Premier ministre qui est en fonction
qui dit la justice, mandé me son besoin. Ma baoule, depuis me gagner pour faire travail. Qui pose en première action, juste l'instruction qui travaille sur le dossier, il renforce la sécurité. Mais dit CSPJ, par là, juge-là, dit juge-là, qui a le besoin encore comme moyen, comme besoin pour qu'il satisfait. Pour qu'il fasse travail en toute indépendance. Vous pensez qu'un premier ministre qui est en fonction, chef gouvernement, qui parlait avec la Cour des comptes, qui dit, moi, je suis prêt pour me battre nos moyens pour nous renforcer l'institution pour faire travail là. Avec un autre groupe qui dit, vle pas vle, c'est chambardement total, c'est folle aller pour pousser à fête. Sincèrement, mon cap garder l'émission là, jeudi en matin, ou bien après-midi, on cap regarder. Qui côté, effectivement, ou quoi que vous pensez juste et équitable capable de faire? Entre un monde qui dit la justice, dit tout ce qu'on a besoin, un bon moyen de travailler sur le dossier, avec un monde qui dit, vle pas vle, faut l'aller, faut gagner des autres, faut gagner chaos, faut gagner stabilité, qui est souhait, qui sincèrement, qui vle que lumière faite, que lumière faite sur le dossier. Nous avons garanti ça, M. Lindor. Nous avons garanti ça avec tous les téléspectateurs qui ont regardé la télévision aujourd'hui. Procès en ligne entamé et il y a fait. C'est pas longtemps, non? 28 septembre, si je ne pas abusé. Il y a deux citoyens. Deux citoyens qui allaient dans le cabinet d'instruction. Accompagnés de avocats. Dont il y en a au cœur de toute manifestation, etc. qui a fait. Ou qu'on est après au soutien dans cabinet d'instruction. Son rappel, il était passé dans la presse, tout le monde était vrai. Ou qu'on a dit, jeudi, c'est 28 septembre, la plus grande date historique pour ce procès Petro-Caribéen a lancé véritablement. Donc, il est d'accord que le procès a été lancé. Donc, si le procès a été lancé, donc, quitter la justice fait couler. Mais pendant qu'on a parlé de ça, des groupes de l'opposition, par exemple, qui radicalisaient la position, qui même n'ont pas attendu parler de questions de procès, ou pas quoi que l'administration s'est arrivé ben, résultat, ou même c'est pour le chambardement. Est-ce que dans quel niveau qu'on a un gouvernement apprécié, ça qu'a dit là, par rapport au groupe ça, est-ce que tout, nous parlons pour nous chiter avec tout? Non, chiter à tout le monde, nous sommes tous ça tout à l'heure. Premier ministre, on est inscrit dans le cadre d'une dynamique de dialogue. Continue à dialoguer avec tout groupe, même monde qui parle de dialoguer. Même si je dis ça tout à l'heure, lorsque le premier ministre qui dit que la quitté la justice travaille sur le dossier, et la balle moyen pour qu'il travaille sur un dossier, mandez-le, ça nous voulait, dans la mesure du possible, ma balle pour que nous travaillons sur le dossier en toute indépendance, s'il vous plaît. Ce n'est pas que vous allez misser dans le procès ou bien dans le déroulement du procès. Non, pas du tout. Vous avez une institution qui est compétente, vous avez moyen pour faire travail. Mais c'est ça, nous inscrit nous. Le Premier ministre, qui est chef du gouvernement, n'a pas continué à parler avec tout acteur. Pendant que la renforcé l'institution qui est là pour faire travail, il a continué à dialoguer. Ce n'est pas longtemps, non? Ce n'est pas moi, non? Et M. Lindor. Que gagner une compilation, un livre qui sortit au niveau de la primature. On peut gagner au niveau de la télévision nationale, parce que tu vas aller dans la communauté qui sortit. Il y a tout accord, convention, contrat, qui passe résolution, qui prend un conseil des ministres sur la question Petro-Caribéen. Son premier jet. Elle dit nous gagnons déjà une première source qui est capable de permettre nous. Qui côté comme vous allez on y a un deuxième niveau entreprise qui était jeune contrat qui a offert un cob là est-ce que vous travaillez est-ce que vous travaillez vous faites est-ce que vous bien fait c'est pas un autre niveau d'appréciation mais premier niveau hein, nous faisons nous dit mais qui contrat mais qui accord mais qui convention mais qui s'acte signé en conseil des ministres sur la question pétro-caribéen, tout le monde a l'homme, nous ne serait-ce pas après ça. Nous sommes capables d'apprécier. Maintenant, est-ce que au niveau gouvernement, nous seulement quoi que par rapport avec le mouvement qui est dans la rue, pour la manifestation qui se fait le 18 novembre, ça qui se fait le 17 octobre, est-ce que nous seulement chita sur la question pétro-caribéen seulement, est-ce que nous avons un autre problème politique qui peut être posé dans la rue, là, qui t'a mérité résoudre, mais qui a plein de réponses rapides bon côté gouvernement de l'Orelus? Avant 17 octobre,
avant 18 novembre, tu as une manifestation, nous d'accord sur ça. Pendant plusieurs dimanches. Et c'était un groupe qui aurait les Petro Challenger, qui est sur les réseaux sociaux très actif, et a dit que l'argent Petro Carrel a passé. Mais, il y a une tentative de récupération du mouvement ça, à des faits politiques ou politiciennes seulement. Je ne crois pas que tout le monde qui est dans la rue, hein, qui a demandé contre l'argent Petro-Caribé en passé, que c'est seulement le dossier Petro-Caribé à régler. D'ailleurs, 18 octobre là, il était confirmé, 18 novembre là, il était confirmé ça. Très prématurément, oui. Demandez que un président dans la cour de cassation, que le président soit dans la cour de cassation, que le premier ministre soit dans l'opposition. Non, au sérieux. C'est ça qu'on demande. C'est ça que nous relais, retirer comme bambete comme là. C'est des formules que nous utilisons à plusieurs reprises et que malheureusement qui n'ont pas porté résultat escompté. Retirer comme bambete comme là, je ne sais pas quoi c'est la donne que le pays a un intérêt. Le pays a un intérêt dans la stabilité. Le pays a un intérêt dans le dialogue. Le pays a un intérêt dans le chita parler, dans le colis. Les épaules, nous nous mettons ensemble. C'est vrai qu'il y a toujours des divergences. Mais l'intérêt à moi, plus que je n'ai pas d'instabilité. Plus que l'intérêt à moi, mettre apaisement. Bon climat qui est capable de permettre que les touristes rentrent, investisseurs ont investi, l'argent fait. Bout de là qui a perdu valeur de vendre là, que les capables de reprendre force. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain, non, que Good Lab sorti de 75, passé à 50 ou 25, Good Chanté avant. Pas du jour au lendemain. C'est production. C'est production pour gagner. C'est pays qui pourra en chantier, qui pourra travailler. Mais c'est tout le temps. Nous avons tiré roche. Regardez ça qui passe dimanche. Là. Si tout le temps, nous ne voulons pas faire ça, pour nous réduire du pays ensemble, et que même sous sang, ça n'a pas combattu tout. Bah quoi c'est ça. Et moi-même, moi, je suis trois petites. Dans le pays, ou? Quand je vis dans le pays, qui fait dans le pays. J'ai trois petites, 10, 9, 7 ans, que m'a fait éducation ici dans le pays. Tout était raide. C'est vrai que Haïti, lui, son endroit que nous avons vivre la donne. Nous sommes fait 16 ans de travail comme journaliste. Et l'homme a commencé, je commencé comme économique et sportif. Et moi, j'ai eu une chance et voyager en pile. Pour que j'aime mon âme vivre. Et parents, amis, famille, bon pression pour qu'on vive là-bas. Je choisis pas faire. Madame m'a vivre dans le pays, petite m'a vivre dans le pays, m'a travaillé dans le pays. Donc moi j'ai intérêt que le pays soit stable. Moi j'ai intérêt que moi qu'à vivre la donne. Contrairement à des gens qui assument que madame yo petite yo pas dans le pays et que faut que yo réduit pays ensemble, faut que des blousins, faut que écraser briser parce que yo m'en fous. Bah un trop intérêt là. Nous pas qu'à m'en fous. Nous ne pouvons pas faire et Serginho. Nous ne pouvons pas faire nous lever matin pour nous voir que nous allons mener nous l'école, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas faire pour nous voir que nous avons besoin de la ville pour nous mener l'activité. Nous ne sommes pas capables. Nous ne pouvons pas faire pour nous voir que l'activité économique n'est pas capable d'avancer. Parce que bon, c'est l'objectif. Vous ne voulez pas vivre pour la vie. Faut me réduire pays ensemble et sur même sans non m'a combat tout mais justement là là ici moyen faut qu'on essaie au jour le jour ils vivent justement c'est chaque jour le ba yo ils sont ils à regarder pour payer l'école ba manger dans cas etc. Mais là vous n'y là parce que de temps en temps un mouvement manifestation mon ne pas qu'à faire une activité c'est sûr que ça arrive beaucoup de gouvernement ça on va attendre c'est des mesures que des dispositions des réponses c'est des réponses justement mais réponse ça qui lui a porté non il commence pour calmer la situation il commence à porter pas bien tout à l'heure il a commencer l'émission premier il nous dit que lorsque le premier ministre Jean Rissé t'a rentré dans la primature t'as un problème. C'est mon problème au niveau de l'entrée sud capitale là. Monsieur, c'est tout problème qui était gagné, pas besoin de retourner sur eux. Mais semaine, deux semaines, trois semaines après, nous t'ai senti à calmer. Hein. Mais vous avez comme impression que vous avez et des gens qui ne sont pas confortables parce que le pays est calme. Mais il n'y a pas de question de sécurité.
Il y a plusieurs bagages qui sont capables de faire une sécurité. Il y a plusieurs causes qui vont provoquer. Le cas structurel, le cas conjoncturel. Le cas structurel, il y a des gens qui sont tellement dans une situation de précarité, de misère, que n'importe quoi s'en va. Ne serait-ce que promesse pour faire des ordres, faire des ordres. Vous savez, non? N'importe quoi s'en va, ou bien promesse que vous dites, pour faire des ordres, faire des ordres. Nous comprenons ça. Comme ça, tout, les capables conjoncturels, les capables, c'est des fait pour un but bien déterminé. Eh bien, quitte ces causes conjoncturelles, quitte ces causes structurelles, le gouvernement, avec les instances qui placent pour ça, a travaillé sur eux et a porté réponse appropriée à chaque cause. Et ce travail ça qui a fait au niveau du gouvernement. Et c'est là nous quoi? Parce que je me dis tout à l'heure déjà, on pas quoi non? Le monde qui fait de pays ça, pays par vrai qui accepte que c'est là qu'il fait, que c'est là pour qu'il grandit. Et c'est là pour changer là, on pas quoi il a gagné intérêt dans l'instabilité. On pas quoi il a gagné intérêt dans quasi brisé. On pas quoi il a gagné intérêt dans chier pitou. Oui, d'accord que nous mandons compte. Et le monde qui doit rendre compte, il y a pour rendre compte. Et nous d'accord tout que vous commencez, que des dispositions qui prennent pour vous rendre compte, nous tout à l'heure, le 28 septembre, lorsque le juge d'instruction a enterré les deux et monde qui constituait tête partie civile dans le procès pétro-caribéen, il a enterré dans le cabinet d'instruction, moins tant d'avocats qui dit que, jour ça, l'a inscrit dans l'histoire pays d'Haïti parce que le procès a commencé. Bon, quoi que le procès a commencé, et pour nous avoir demandé pour le procès fait, non, on a l'autre objectif. Maintenant, est-ce que nous avons des tentatives qui sont faites au niveau du gouvernement pour chita avec nous? Du monde des voix de l'opposition qui radicalisent la position, je veux dire. Nous avons chita à tout le monde. Nous avons continué chita. Est-ce que des tentatives qui sont faites déjà? Permettez-moi de dire ça, M. Mola, Serge Niolenda. Permettez-moi de dire que nous avons continué chita avec tout le monde. Pas autorisé pour me dire. Mais qui rencontre qui fait, mais qui les rencontre qui fait pour ne pas fragiliser la discussion qui a fait pour permettre que la situation soit apaisée. Même bon garantie que la rencontre n'a pas commencé aujourd'hui et n'a pas fini aujourd'hui. Il a continué avec tout acteur. Et Jean-Premier ministre a dit là, même avec Sinaïo qui avait dialogué. Parfait. Là maintenant, il y a des voix qui demandent pour qu'on passe les mains qui fait dans le gouvernement. Mm-hmm. Même si j'ai dit, mes amis, l'équipe de la Bourgogne, même 3 mois. Qui sous qui base doit évaluer la performance de nos aïeux. Mais qui est le gouvernement apprécie ça? Et même tendé le président du bloc majoritaire au niveau de la Chambre des députés qui t'a demandé ça et qui t'a même dit pour continuer de collaborer, il faut gagner un changement qui fait. Oui. C'est toujours le dialogue là, il va continuer. Pour le ministre, il va dire pas longtemps. Non? Et pas gagner aucun sacrifice qui est trop si. Il doit permettre de gagner une situation qui calme, que le climat est apaisé. C'est vrai que le gouvernement, c'est vrai que le Premier ministre a monté le 17 septembre. Donc, ça fait à peine 2 mois. 17 octobre, 17 novembre. Donc, ça fait à peine 2 mois que le Premier ministre est installé dans la primature. Il dit ça à tout. Si, dans le dialogue qu'a fait, la majorité acteurs, la majorité monde, que le balai aller dans un sens, dans le sens d'un remaniement, pourquoi pas? Mais mes amis, si c'est ça pour permettre que la situation calme, bah, on a trop pour la République là, comme sacrifice que l'on fait. Même si vous avez un mois, 2 mois, 3 mois dans une équipe, bah, quoi, non, on est trop. Ça va veut dire pour autant non, que les gens qui ne parlent pas encore, tu as mal travail. Ça va veut dire pour autant, on se dit, il y a le temps pour évaluer. Pour mon anglais, tu as pris connaissance d'un sérieux dossier. C'est le bâton en boîte là, même lorsque tu es en boîte là. Pour mon anglais, tu as commencé, mais que le conseil de route, appliquer et politique du gouvernement va l'appliquer. Ça m'a donné un petit temps. Donc, 2 mois, capable paraît insuffisant pour évaluer le travail. Mais, entre remanier au gouvernement, 2 mois après, 3 mois après, 4 mois après que le monté, et permettre que la situation soit instable ou bien par manière qui est instabilité à progresser, qui est ce qui est plus bon. Moi, je crois que quelle que soit la route qui a mené vers la stabilité, vers l'apaisement, nous conseillons d'y n'importe.
Est-ce que déjà commencé à gagner des rencontres calées au niveau ça pour que nous avons un remaniement avant longtemps? Ma pour dire, André, il s'en fait dire. Il dit que c'est tout acteur qui veut l'aile. C'est majorité acteur qui veut l'aile. Pourquoi pas? Donc pourquoi pas? C'est majorité. C'est discussion qu'on a dit. Même quand on a dit. Il dit pour commencer là. Donc discussion a fait. Discussion a continué. Même si tout à l'heure, on se dit que il y a des groupes qui demandent des remaniements. Mais il y a des groupes qui disent, mais toi, mes amis. Et va bonheur pour que des monde qui a peine entre 4 semaines, 8 semaines, pour dire pour lire à l'école. Les gens pour qu'on ait temps d'implémenter ça, qu'on va l'implémenter. Donc, des voix qui allaient dans ce sens-là. C'est logique. C'est logique. Mm-hmm. Mais si, dans la conjoncture que nous y a, puis faut voir, majorité voir, c'est vers ça que l'automne. Pourquoi pas? On répète exactement ça que le Premier ministre a dit récemment. Mm-hmm. Par rapport avec l'acteur Sao, que nous rencontrons déjà, mais que nous continuons à rencontrer. Mm-hmm. Est-ce que nous avons tendance à plus ou moins majoritaire dans ce sens-là pour que c'est un changement passé meilleur et non? Et, j'ai suite dialogue là qu'a dit ça hier. Donc il y a encore tôt pour me dire si les majorités ou pas, parce que sinon tu as une décision qui prend. Vous comprenez? Il y a encore tôt. Et il n'est pas trop temps pour que le dialogue continue, que même les gens qui font chita continuent chita. Parce que si tu as gagné une majorité qui est dégagée sur ça, doit être fait là, je dis, je me garantis, oui, il t'a fait. Mais puisque le dialogue a continué, ça lui fait la fête en temps et lieu. Mon cap gade, on vit qu'on est tout qui est à disposition pour aller effectivement, on dit, monsieur Illus, par rapport avec fête historique, fête nationale pour le 17 octobre, pour manifestation, pour activité au Parc Amène, 18 novembre, sur le là, on a avancé vers la fête de l'indépendance le 1er janvier qui a privé là. Maintenant, on a envie d'assurer que le climat qui permet que, bon, ils ont fait tes fêtes là, ils ont songé ça qui est passé par rapport à la qualité de travail que vous avez fait. Mais on a une activité partout. Ouais. Maintenant, 18 novembre, on a envie une activité, peut-être rencontrer les familles, on n'a pas arrivé à faire. Maintenant, au niveau du gouvernement. En plus. Maintenant, au niveau du gouvernement, c'est quoi la stratégie, c'est quoi la formule pour que là maintenant, même qui t'a capable d'être plus assidu, nous arriver quand même faire participer dans l'apaisement, mais stabilité que nous avons parlé aujourd'hui là. Premier bagage là, c'est convaincu. C'est convaincu que nous n'avons pas d'intérêt dans l'instabilité. Ou bien pays n'a pas d'intérêt dans l'instabilité. C'est vrai ou comment de transition? C'est vrai qu'on dit bon primati pour que vous peut-être réaliser l'agenda par mettre en application et ça qu'on voulait comme. Mais le pays n'a pas gagné intérêt là-dedans. Moi, je n'ai pas gagné longtemps, non? Depuis que j'attendais un leader politique, un ancien premier ministre, un monde qui a passé comme militant politique. Pour ne pas citer non, qui dit, et je cite, moi regrette, moi était dans manifestation 1er janvier 2004. Moi regrette que moi était dans la rue, moi était dans manifestation 1er janvier 2004. C'est une position. Mais ça vous demandez, ancien président, vous demandez, ancien président, de vous avez quitté le pouvoir. 15 ans après, ancien Premier ministre, qui est chef parti politique, qui est militant politique, pour ne pas citer non, il dit que il regrette que c'est comme ça s'est passé. Mais mes amis, est-ce que 15 ans après 2018, nous sommes capables de retendre le même discours encore? Mais nous avons une possibilité pour nous éviter. 17 octobre, c'est date historique, en mode de Saline. 18 novembre, c'est date historique, bataille de Vertières. Le monde entier a des yeux braqués sur nous. Pas penser que même si vous êtes bien avec vous, vous avez que vous êtes content que vous avez gagné un groupe noir, nègre, esclave, qui révolté, qui bataille, qui prend l'indépendance. Non. Pas penser que ça a bien sonné dans les oreilles. Et pas penser tout, lorsque nous avons célébré des dates historiques majeures dans l'histoire du pays, nous avons fait sous fond d'affrontement. De stabilité que ça va faire au plaisir. Moi, je crois que personne ne va pas capable de dire personne qui joue, qui date, qui l'a pour manifester.
Il est vrai que pour manifestation en fait, il faut gagner des dispositions qui prend avec la police pour que y ait sécurité. Mais moi, quoi, tout le sens du patriotisme capable de permettre maintenant ouais, que Haïti en premier. Mais mon cas manifeste dit parce que patriote. Mon cas manifeste dit c'est parce que vous voulez payer à changer. Mon cas manifeste dit vous faites parce que vous voulez changer le système, changer tout le monde. Et ça vous dit. C'est pas parce que vous voulez changer le système qui fait vous voulez payer à changer. Vrai. Moi, je dis ça déjà. Il y a des gens que le pays a changé, qu'il n'a pas changé. Je m'en fous. Parce que madame, vous petit, vous n'avez pas intérêt dans le pays. Faut que nous d'accord sur ça. Il y a des gens qui veulent payer à changer. Et si vous voulez payer à changer parce que vous estimez que vous avez un l'argent débloqué pour faire payer à changer, qui n'est pas fait votre pour le faire, eh bien, le meilleur moyen pour que nous permettre que le pays a changé vrai, c'est par l'institution qui là pour faire lumière sur ce dossier, faire lumière, par le moyen pour faire lumière sur ce dossier, et que le monde qui est coupable, capable de punir, le monde qui n'est pas coupable, capable de vaquer avec l'occupation, normalement, c'est ça, moi, l'attitude progressiste. Là. Donc, si nous croyons dans le changement vrai, on garde le signal. Le Premier ministre Jean-Rissé en Lidouni, gardez-moi, critiquez-moi, remettez ça me fait en question, posez-moi une question. L'absurde, nous là. Il y a des gens qui absurdent. L'État de toute manière qui a fait. Il y a des voix tout le monde. Et il est prêt pour la réponse institutionnelle à chaque problème qui posait. Donc, si nous partons le climat stabilité, la réponse n'est pas venue vrai. Nous d'accord, la réponse n'est pas venue. Nous d'accord, nos transitions, c'est conférence nationale que M. prévoit. Ou rebattre 4 la net, craser parlement et faire gouvernement de transition et après 2 ou 3 ans aller aux élections générales. Côte d'Ivoire, c'est Petro-Caribé. Alors, vous croyez que dans la situation que vous voulez mettre les pays là, où on procède pas fait en bonne et due forme vrai, si c'est vers ça que vous nous tenez, pour vous, c'est en fait. Il faut que la sérénité, il faut que la stabilité, il faut que la calme. C'est pas dans le haut toi que je m'y mette là, non, je vais le faire. Parce que sinon, si c'est retiré quoi, bon, mit pam, qui aboutit vers procès, tendance à pas le faire quoi que, ah, ou même tout, sous des ans, nous avons fait, ou à le protéger, nous, non. Mais pour ne pas avoir soupçon que personne n'a protégé personne, Jean-Premier ministre en dit là, c'est l'institution qui est pour nous renforcer. C'est stabilité qui est pour nous gagner. Et c'est vers ça que nous tendons. L'autre remarque qui fait, bon, côté voix de l'opposition, c'est par rapport avec réalité, quelques quartiers populaires, par exemple la Saline. Et il y a une somme d'images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, des images qui ont été très choquantes. Qu'est-ce que ça a comme données au niveau du gouvernement? Et le gouvernement, enquête a continué faite. Mais moi-même personnellement, comme réflexe journaliste, moi lis plusieurs rapports. Dans un rapport de fondation et Jekale. J'éclairé avec Marie-Olem G, l'ancien RNDDH qui fait ce dossier-là. Ou comprendre plus ou moins qui ça a passé. Il y a un affrontement entre plusieurs groupes rivaux. Mais c'est pas aujourd'hui, ah non, que ça a fait. Il y a des quartiers côté que il y a. Et c'est réalité ça, oui, qu'on a bataille pour nous changer. Là. Réalité qui voulait faire quoi que. Gagner des quartiers de des mondes croient que la meilleure façon pour les sortir sont armes pour qui n'en meilleur. Donc réalité ça n'a pas combattu, n'a pas travaillé pour nous changer avec l'éducation. Donc il faut des possibilités pour tout le monde à l'école. Pour qu'on connaît que demain, si Dieu veut, il y a qu'à venir chiter à la même chose avec vous. Il y a qu'à venir chiter à la même chose avec moi. Même avec tout le monde qui accompagne dans le studio pour permettre l'émission ça est possible. Pour sortir tête. Sortir tête là, sortir corps là. Pas obligé avec une âme. Nous sommes tout à l'heure, n'a pas eu de problème d'insécurité. L'insécurité, elle a plusieurs causes. Ou bien cause là capable de plusieurs. Il est capable conjoncturel, il est capable structurel. Et qui c'est ça qui passe dans la Saline? Qui c'est ça qui passe dans l'autre quartier? Côté qui coup d'âme qui a chanté etc. Ou bien des monde qui prend balle qui blessé ou bien qui même mouri. Et chaque monde qui mourit, son monde en plus qui mourit, son monde en trop qui mourit. Nous sommes d'accord sur ça. Parce que si on mourit, la famille a gagné espoir sur nous. Le pays a gagné espoir sur nous. Il y a un investissement qui est fait sur nous. Les gens qui ont investi ont obtenu un retour.
Le map investi nan petit mwen jodi. Investi sa map ton nan. E pa mwen non facilement kap jeune. Mwen ka viv 50, 55, 60 ans, mwen 40 ans jodi. Donc, se pa mwen pral jwenn sa ki pral soti kom investisman ke mwen fè pou petit mwen. E pe yon. Men meyèr kado ke mwen ka fèl, se bay posibilite ke si moun yo yo formé, yo éduqué, yo remè peyi yo. Et yo vle travay pou le changer. Et c'est vers ça que nous attend. Donc qui c'est pour là ça, li nou bien l'autre côté qui gagne et problème que vous souhaitez évoquer yo et au courant. Est-ce que le gouvernement est-ce que c'est une prise en charge? Évidemment. Du gouvernement. Évidemment prise en charge à l'effet justement et retracer qui cause qui fait problème ça et travail sous cause yo. Yo problème bien posé déjà à moitié résolu. Faut pas écouter moun qui a exploité à propre fin par yo quelle que soit la situation non moi moi dans les organisations je t'explique tout à l'heure fondation et j'ai calé j'ai clair sous dossier la saline non? Ça va dire que toute salle dit c'est salier que par l'autre voie capable mais nous autres journalistes nous capable aller gain gouvernement tout justement qui gain équipe sur place qui a évalué ça passe qui pour porter réponse c'est justement faire ça que nous attendons non? Pour nous connaître qui ça qui fait qui ça et qui vient pour que ça va faire demain. Mais cette question vient interpréter, vient utiliser à des fins politiques là, il a bon. Par exemple, même j'entends dans des plusieurs et paroles qui dit sous question 18 novembre là, comme quoi président et Jovenel Moïse, premier ministre Jean Lycéen, il a pas allé vers tiers que bien pile monde qui dans des grandes interprétations qui a tenté bail sur dossier. Mais mes amis, je suis un privé, ancien président provisoire, je ne suis pas d'Alvertier. Michel Martelly, président pendant 5 ans, d'Alvertier a une fois. René Préval, président, d'Alvertier a une fois tout. Donc, utiliser un conseil de situation pour que vous fassiez net la caïmonie, le sentiment que vous avez un problème là. On va quoi c'est meilleur. On va quoi paniquer, on sait pas ce que vous. On va quoi c'est là. On va quoi c'est là pour nous. Même chose du tout à l'heure. Nous avons bon, trois présidents. Trois présidents, 11 ans. Calvertier trois fois. Est-ce que l'autre 8 fois, tout est dit c'était panique? C'est pour nous dire que ce n'est pas toujours Vertier que et célébration en fait. Ce n'est pas toujours Vertier. Nous avons pas l'argent que Joseph Kambriga a fait en 2016 lorsque j'étais président provisoire. Jean-Michel Martelly et René Préval te fait tout pendant quelques fois pendant le mandat. Hein. Donc, le président Jovenel Moïse était verti l'année dernière. Donc, cela veut dire que objectif là, et premier ministre Jean-Ricien, il dit dimanche, il prioriser tout ça qui est capable de permettre que la paix établie, hérité. Donc, nous sommes vers ça, nous sommes là-dedans. Le gouvernement était représenté, et puis il y a une offrande florale qui était faite dans Mipana, il y a une déclaration qui était faite. Au époque, ancien président et René Préval, pas de même faire déclaration. Non, dans Mipana, il a déposé un chef de fleur. Il a juste déposé un chef de fleur là, et puis il a assisté avec une parade et de la police. La police, et puis il est entré. Et mes amis. Pour qui ça pour nous utiliser ça, pour que nous mettions dans la tête Mounio, que nous avons dit, il faut communiquer. De conscience, il faut communiquer pour yo, le ministère de l'Éducation nationale, dit bagay l'école. Alors, vous croyez, monsieur, nous sommes un pays comme ça? Maintenant, Kouna, ça vous plaît, c'est garanti pour répondre à l'activité. Parce que j'aime d'abord tout à l'heure, chaque fois, journée relevée, je regarde des cobs pour les petits tchots pour mieux manger. Il faut que nous allons à l'école, tout. De toute manière, on se dit tout à l'heure, après le monsieur là-bas, les petits tchots, il faut aller à l'école. Vous comprenez? Maintenant, il faut que le gouvernement crée les conditions pour que tout samedi là-haut, il y ait fait. Et c'est ça la population attend. Justement. Et c'est ça peut-être la population a souhaité, comme on a une communication pour l'émission, dit yo, qui ça garantit à y, qui ça a fait comme mesure, qui ça n'a pas adopté comme disposition, pour que là maintenant, nous fonctionner, nous répondre à l'obligation, et puis pas qu'il y ait un drame, j'en ai. Garantie à c'est d'abord, renforcer l'institution de la police là, qui est là pour et protéger vie à bien. Premier ministre là, dimanche dernier encore, il continue à parler avec. Et soit comme chef CSPN, autorité policière. Garantir, c'est renforcer la justice pour que lorsque les gens qui font bagarre qui mal, pour la police arrêter,
pour la justice juger et que ou et subi pour nous dans tant que vous devez subir là. Garantie à tout, c'est continuer à parler avec tout le monde pour faire ouais que nécessité à lui pas aller vers objectif dans jeudi, c'est pas chaos, c'est pas instabilité. Garantie à c'est continuer dialoguer avec tout secteur, renforcer la police, renforcer la justice pour permettre que la police fait travail. Lorsque il y a monde qui fait trouble, qui fait des ordres, il arrêté, il déféré la justice, la justice lui prononcer le sous-caillot que il plongé permis normalement. C'est ça oui garantie. Et c'est ça qui a fait l'ajustement. Oui. Pas ouais dans moment on a parlé avec vous là et monsieur Lindor. Gayé m'pas on connaît pas capable parler question de sécurité et dans grand jour. Mais il y a pile disposition qui prend pour permettre justement que la police là il y a moyen en même pour le faire travailler et que le présent monsieur est-ce qu'il y a une présence dissuasive pour lui dissuader des mondes qui t'a voulu faire des mauvais actes fait. Et Dieu seul sait. Dieu seul sait oui, si pas bien disposition ça qui te prend. Qui problème qui t'est capable bien. Mais heureusement, moi fais partie d'une équipe qui prévoyant. Moi fais partie d'une équipe qui a suivre, qui connaît la réalité pays et qui connaît qui Jean pour lui attaquer la réalité et vivre avec la réalité et porter des réponses appropriées. Et c'est l'équipe ça justement qui bon garantie. Et téléspectateurs, que tout ça qui doit être fait pour qu'on vive en sécurité, que c'est renforcer la police, que c'est renforcer l'institution de la justice, la fait pour que vous même capable de vaquer librement avec et activité. Moi, je ne viens pas là pour me dire tout le monde pour mon comportement d'irresponsable. Pour me dire tout le monde, tout le monde est bien sous le soleil. Je ne viens pas là pour me faire ça. Je viens là pour me dire que. Toute disposition à prendre pour que l'institution qui l'a pour protéger, protège. Et vous avez ça déjà hier ou bien dimanche dernier. Si la police n'est pas professionnelle, si la police pas a fait travailler les gens qui ont été faits là, pourquoi on équivalent les bagages qui étaient capables de faire? Mais heureusement, heureusement, la police fait montre le professionnalisme. Avec le leadership du Premier ministre Jean Rousseau, qui est chef CSPN, justement, qui travaille tout le temps avec chef la police, non, pour que ça de fait, yo fait. Et les décisions qu'il doit prendre, il prend. Et peut-être, c'est une raison qui fait ouais, que nous choisissons des activités qui faites, qui faites pas au prince, qui faites au cap ici. Premier ministre non, avec le président. Ils ont fait Jean-Pile, président, premier ministre, fait avant. Ils ont fait offrande orale. Dans le Mipana, ils ont fait déclaration dans la presse, mais il y a une activité qui fait au niveau du Cap Haïtien. C'est justement dans l'idée pour qu'une situation et de sécurité calme, ça, que nous voulons. Hein, parce que c'est lui qui permet que le monde vienne investir dans le pays. Ça veut dire que vous avez gardé là, Captain de Monsieur Elus, le gouvernement n'a pas dépassé, le gouvernement n'a pas contrôlé la situation? Oh, pas du tout, on va pas dépasser. On va dépasser. Et nous comprenons ce qu'a fait là, et n'a pas agi en conséquence. N'a pas agi en monde responsable. Responsable a voulu dire que ça doit être fait là, a fait. Parfait. Et dans quel que soit le niveau que l'il y a, nous avons dit tout à l'heure, si c'est pour renforcer pour la présence policière, l'a fait. Et le fait déjà, je ne suis capable de commencer well dans la rue. Si c'est pour bailler la justice, la moyenne pour le travail, l'a fait. Et il commence à faire déjà. Et que les gens qui font mauvais actes, égal, on a fait des ordres. La police arrive tout. Et puis après, pour elle dit que c'est persécution. Si aucun ne fait des ordres, la police arrive tout, le tribunal juge ou les condamné, on va purger peine. Si c'est pour passer maintenant dans le cabinet, là, si c'est pour passer maintenant dans le cabinet, je te dis tout à l'heure, pourquoi pas? Parce que tout ça, ou qu'on fait le zèle 4 qui va compter sur table. C'est Z4 instabilité. C'est Z4 vle pas vle fol aller. C'est Z4 crasé brisé. C'est Z4 chire pit là. C'est Z4 bay menti. Mais il faut communiquer dehors pour dire que il y a un problème. C'est Z4 ça pas monter sur table. Mais tout l'autre Z4 qui capable permettre que pays a gagné, la monter sur table.
C'est lui une communication pour le ministre Jean Isser. Je suis content de parler avec vous matin. Merci un pile parce que vous êtes disponible pour TLH. Ma première show et M. Lindor et ma première c'est tous les téléspectateurs qui ont suivi l'émission. Je suis fini pour me dire que nous avons un carrefour aujourd'hui, hein, que nous avons un choix pour le faire. La population a un choix pour le faire. Et gagner une voix qui sait chaos, instabilité, désordre, vous ne pas aller faut aller, bombe 3 ans en primatie, mal fait transition. Sans on va parler de questions pour ces Petro-Caribé, qu'on voit pour ces tabula rasa, qu'on voit qui c'est des ordres généralisés, qu'on voit qui c'est élèves pas à l'école, qu'on voit, et qu'on l'autre voit, qui c'est stabilité, qui c'est renforcement institution, qui c'est bail sécurité, qui c'est renforcer la justice, voit ça, que m'a porté aujourd'hui. À titre de responsable dans l'équipe communication pour le ministre Jean Rissier en primature, hein, nous croyons que la population est assez intelligente, nous comptons qu'il voit la choisir. Nous demandons et côté de l'agent Petro-Caribé à passer. Oui, moi-même tout me demande. On demande, tout le monde demande. Et c'est ça qui fait gagner la justice qui est renforcée pour qu'il travaille sur la question. Hein. Et nous travaillons sur la question justement pour nous permettre que ce n'est pas le politique qui dit coûte l'argent à passer. Pour ce n'est pas le président, le premier ministre, le ministre et de la justice qui dit coûte l'argent à passer. Mais c'est la justice qui est placée pour le faire et qui dit ça. Et bien, moi, je crois que dans la situation, ça est là pour nous aller. Parce que, pas oublier, en 2019, il doit y avoir des élections. Nous avons travaillé sur le projet de budget et 2018-2019 rectificatif. Nous avons travaillé également, sur, nous continuons à travailler sur la question des élections. Pour toute bagaille ça au cas fait, faut que pays est stable. Et il y a des mouns qui parcourent dans la stabilité, hein, qui plus quoi dans le chaos, qui plus quoi dans l'instabilité. Hein. Et moi, je crois que nous, quand qui ça pour nous chercher, parce que l'intérêt par nous, c'est dans le pays. Encore une fois, c'est à moi-même pour remercier. Est-ce que moi, tu es passé par case mise au point. Parfait. Voilà, notre invité de l'Aurélius, Bounté Badbus, sous réalité, puis le gars au gouvernement, puisque c'est même cellule communication. Premier ministre Jean-Henri Seyar, sous avec nous dans la matinée, nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.